Vandenberg pour un message, canalisation, channeling, comme on l'appelle, comme vous le désirez, de Marie. Marie, mère de Jésus, épouse de Joseph, qui est là pour vous apporter de la douceur en ce mois de juillet, ce mois d'amour, comme tous les mois. Vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la paix. Il y a des êtres qui souffrent, il y a des êtres qui ont mal. La première chose que je leur dirais, c'est essayer d'arrêter de lutter et de vouloir ramer à contre-courant. Laissez-vous aller dans le fleuve de la vie, dans le fleuve de l'amour. Vous êtes les créateurs de votre vie. Donnez-vous le droit, vraiment, en vous regardant dans une glace. Ou en prenant le temps en méditation, ou en ayant en élan dans la forêt, au bord de la mer, prenez le temps, juste quelques minutes. Rentrez à l'intérieur de vous et vous dites, je me donne le droit d'être heureux, heureuse, je me donne le droit à l'abondance en toutes choses, je me donne le droit au meilleur, parce que je suis. Comme tous les êtres, un enfant divin. Vous êtes des êtres magnifiques, vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Seulement, nous ne pouvons pas intervenir dans votre vie. Premièrement, si vous ne le demandez pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous ne faites pas un pas dans la bonne direction. Exemple. Vous voulez aller à droite et vous faites un pas à gauche, on n'a pas le droit de vous prendre la main, de vous amener à droite. Par contre, si vous nous demandez, vous dites je n'y arrive pas, mais vous commencez à avancer votre pas dans la, votre pied dans la bonne direction, c'est évident qu'on va vous aider. Mais c'est vous qui êtes venu vous incarner et c'est votre création, le monde dans lequel vous vivez à 100%. Mettez-y l'amour que vous êtes, car vous êtes des êtres d'amour, des êtres de lumière. Mettez de l'amour dans votre vie, mettez de l'amour dans chaque pas que vous faites. Envoyez de l'amour à tous les êtres qui sont dans votre réalité, avec lesquels vous avez peut-être des tensions, mais ce ne sont que des mémoires que vous avez à l'intérieur de vous. L'autre n'est pas responsable, ni coupable. Et vous êtes responsable, mais pas coupable. Vous êtes des êtres d'amour. Envoyez de l'amour. Si on peut symboliser l'amour dans une fleur, dans un parfum, envoyez cette fleur, ce parfum à la personne. Si pour vous l'amour c'est la rose rouge, envoyez la rose rouge. Si pour vous l'amour c'est la rose rose, envoyez la rose rose. Si pour vous l'amour c'est un parfum, envoyez un parfum. Symbolisez-le sous forme d'un objet ou d'un parfum. Un symbole, quoi que ce soit, pour vous aider à le faire. Et là, ce sera plus facile. Et si chaque matin, vous envoyez simplement de l'amour à ceux qui acceptent de le recevoir, parce qu'il faut mettre cette phrase, on ne peut pas envoyer de l'amour à tous sans leur demander la permission, comme vous ne pouvez pas demander l'amour à tous. La phrase, c'est... J'envoie de l'amour à ceux qui le désirent. Les autres ont le droit de ne pas recevoir l'amour. Renvoyer de l'amour comme ça, à tout va, non. Allez-y, envoyez de l'amour à tous ceux qui le désirent. Et vous allez faire un grand pas, il y en a beaucoup d'êtres qui désirent recevoir l'amour. Et vous allez les aider à se donner de l'amour, parce que l'amour commence par soi. C'était un court message, je suis Marie et je vous aime infiniment. À très bientôt, chers anges sur terre.